Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, parce que j'ai remarqué l'autre jour dans le live, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages par rapport au hit et au Camus. Donc on va aller refaire une petite vidéo, histoire de voir un petit peu ce que j'utilise. Alors, ce que j'utilise, pas forcément un exemple, parce que vous savez que, comme je le dis, moi pour moi, là, le Camus, avec des héros maxés, les équipements, etc., ça change pas vraiment, peu importe ce que je choisis, ça va faire toujours le maximum de points. Vous voyez, c'est comme les boss des skin event où qu'on a des héros trop forts, on le tue en une seule fois. Pour moi, le Camus, c'est à peu près la même chose. Je suis pas forcément sûr. Donc autant, là voilà, tous vos avantages, ça va permettre en fait de neutraliser, voilà, des compétences comme ça. Mais je suis pas sûr que moi, ça va faire beaucoup plus de points. Par contre, pour vous, oui, c'est important. Donc, tout ce qui est sentier, etc., moi, je le déconseille vraiment. D'une, vous allez utiliser, vous voyez, là, vous êtes à 16 d'endurance, et là, on est qu'à 12. Donc, vous allez utiliser beaucoup plus d'endurance, prendre beaucoup plus de temps, on va pas se le mentir, faire un sentier, ça prend quand même beaucoup plus de temps que d'appuyer sur ça. Et ensuite, vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas les bons héros, vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de scores. Vous allez voir, là, je vais vous montrer l'exemple. Là, sans rien faire, je fais du 374. Alors, j'espère que ça ne va pas me porter... que je ne vais pas me contredire moi-même. Donc, on va y aller. Moi, je suis censé y aller. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je ne me suis pas trop renseigné, parce que vous le savez, je ne joue pas ce hit. J'ai foiré avec le SVS du... contre le 222. Là, je n'avais pas fait assez de kills. Donc j'ai foiré mon hit, donc je joue plus vraiment, là je joue le top 50, mais je m'acharne pas vraiment. Donc, de base, moi j'envoie ces héros-là. Alors après, des fois ça change en fonction du boss, certains boss, on essaye d'autres. Mais voilà, donc moi j'envoie là. Donc on a fait 374, vous allez voir que là déjà, alors faut le mettre en mode normal. Là j'ai déjà de la chance, où c'est un héros qui vient, on se retrouve avec un truc qui reste au loin. On va pas faire de points. Et vous allez voir que là, d'une, je prends beaucoup plus de temps. Et de deux, je suis même pas sûr. Là, on va pas les faire, les points. Il reste 25 secondes. Ça m'étonnerait qu'on fasse les 374. Et c'est beaucoup plus long. Une minute à chaque fois, vous avez vos 240 à faire, là, d'un coup. Plus là, j'ai même pas encore pris les 1000 aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que je vais devoir faire les 40 encore en plus. 336. J'ai perdu plus d'endurance, plus de temps, et j'ai fait moins de points. Donc, il ne faut vraiment pas aller là-dedans. Au maximum, hop. Donc là, pareil, on préfère prendre et tendre. Au maximum, vous tapez sur ces trucs-là. Hop, et vous cherchez. Hop, là, quand vous en avez beaucoup, vous voyez, là, hop, on ne va pas gagner de pourcentage. Là, par contre, quand je vais taper, vous allez voir. Hop, on va récupérer. Tu me l'affiches pas? Ah, voilà. Neutraliser plus 50%. Donc là, on va essayer d'en trouver peut-être deux ou trois pour essayer de récupérer en plus. Là, on en a qu'un seul aussi. Bon, je vais pas vous embêter, vous avez compris le principe. On essaye d'en trouver. Plus il y en a, plus vous allez taper du 150%, du 50%, 75%. Donc, voilà, faut essayer de trouver là où vous allez taper le plus. Moi, j'envoie toujours les meilleurs héros aussi. J'ai essayé de faire 2-3 tests. C'est pareil, on perd un peu en points. Là, ouais, je vais faire du 300. Alors, j'ai pris un truc de plus. Non, 374. Là, si j'envoie d'autres héros, vous allez voir que je vais faire beaucoup moins de points. Donc, j'avais essayé, en essayant par exemple de mettre du Daryl, etc. Hop, en envoyant comme ça, vous allez voir que je vais faire moins de 374. Donc, les compétences qui sont intéressantes à apprendre et ce qu'il faut faire, ce qui est vraiment important à faire attention. Vous voyez, j'ai même fait le même nombre de dégâts sur ce coup-là. Donc, voilà. Alors, là... faut lire, il y a des trucs que vous êtes obligé de lire, parce que si vous les prenez, c'est vraiment du gâchis. Chaque héros disposant d'une arme blanche. Si vous n'avez pas d'héros avec une arme blanche, ça ne sert à rien. Sur des trucs comme ça, là, moi, j'évite de les prendre. Excusez-moi. Je préfère prendre létalité, rider, sniper. On va prendre cela. Là, j'ai toutes les compétences que j'ai prises. Ce qui est super important, c'est équilibre. Donc, celui-là, si vous l'avez, vous le prenez aussi. Sinon... là, récupérer prix des articles du magasin, moins 10%, je trouve pas que c'est forcément intéressant. Mais là, vous avez en fait toutes les compétences. Donc vous allez vous retrouver moins 50%, moins 50%, moins 50%, niveau 5.
Et vous voyez tous les niveaux que vous pouvez récupérer. Défendre, c'est pareil. Hop. Donc là, je suis en défense d'infanterie, plus 50%. Défense des riders, plus 50%. Pareil, ici, on se retrouve. Hop, compétence. L'infanterie a 20% de chance d'échapper aux dégâts. Tous ces petits trucs-là, c'est ça où je vous dis, ça, quand on est maxé, je ne suis pas forcément sûr. Pour vous, c'est intéressant. Pour des joueurs maxés comme moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment une importance. Par contre, pour tout ce qui est nouveau joueur, là, c'est vraiment important parce que là, c'est là où vous pouvez faire la différence. Si vous voulez monter mal, bah vous n'allez pas prendre. Et je vous dis, entre un mec qui monte bien et un mec qui monte mal, vous pouvez récupérer 160 endurance comme 390. Donc, faut vraiment bien le faire. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent faire plus que 374 là aujourd'hui. Et donc, voilà. Étendre, c'est vraiment important. Prix des articles au magasin, ça c'est pas forcément important. Bouteille d'oxygène pour les sentiers d'exploration, moins une. Vous avez points de développement après chaque bataille, plus 20%. Échantillon de cellules après chaque bataille, plus 10%. Bouteille d'oxygène pour le déploiement, moins 1%. Donc le étendre, c'est des choses à prendre. Équilibre, je le prends aussi. Les compétences, ouais, c'est des petits trucs. Tout ce qui est bidon aussi. Récupérer plus de. Vous en avez deux, là, il ne me les montre pas. Récupérer plus de cellules et récupérer aussi plus de points de développement. Ces deux-là, c'est à prendre en priorité. C'est direct, super important. Et là, dès que vous avez les autres, là, vous pouvez prendre Attack Rider, Létalité Rider, ce genre de choses. Par contre, évitez normalement. Vous attaquez pas avec des héros violets. Alors, sauf si vraiment vous êtes sur les tout nouveaux états. Normalement, vous êtes censé avoir au moins du BK. Ouais, vous avez du Daryl, vous avez du Wako, vous avez des héros gold. Donc, évitez de prendre tout ce qui est compétences. Chaque héros rare apporte 10%. Vous avez plein de petites compétences comme ça. Et c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Autant utiliser, vous utilisez normalement que vos héros en gold. Donc déjà, si vous utilisez que vos héros gold, ça vous sert à rien. C'est une compétence de prise pour rien. Donc voilà. Ensuite, le classement, comme d'habitude, enfin, ne dépensez pas pour le top, hein. Ça ne sert à rien. Vous ne récupérez aucune récompense spécifique pour un top, hein. Tout ce qu'il vous faut, c'est un top 50 pour le mythe, pour le hit. Excusez-moi. Ensuite, vous avez la boutique. Donc moi, je l'actualise. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Il faut essayer de l'actualiser et d'arriver sur des 20%. Les oxygènes, les bouteilles d'oxygène verte ne servent à rien à part actualiser. Craquer. Là, dans une minute, il faut craquer. Essayer d'aller au maximum et d'essayer de toper les trucs à 20%. J'ai jamais vu de 30%. Je trouve le 20% très rarement. Donc franchement, le 20%, dès que vous avez le 20%, vous pouvez aller déposer. Dépenser vos oxygènes. Voilà, et puis sinon, après, tout se passe dans le hits. Et ça se passe avec votre classement. On verra comment ça se passe. Voilà, vous avez toute la semaine à faire juste vos points. Hop, ils sont où? Ils sont là. Exploration tout-terrain. Donc, comme je vous ai dit, on a juste le top 50 à faire. Basta. Donc, voilà, choisissez bien vos héros, prendre les meilleurs, ne pas faire les sentiers, gérer votre endurance, ne pas faire comme moi. Hein, faut surtout pas rester bloqué à 240. Vous pouvez en racheter ici, hein, bien sûr. Alors, nous on paye pas sur nos états. Vous avez les deux à prendre ici quotidien, honnêtement. Hein. Je pense qu'on vous avez gagné assez de codes cadeaux pour aller utiliser la 2000 biocaps pour aller les prendre. Ça vaut le coup. Et puis voilà, choisissez, vous cherchez et faire que des attaques sur ça. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et qu'elle aura répondu à toutes les questions là un petit peu qu'on avait eues pendant le live. Et voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!